Pour moi, l'enjeu, il est résolument économique. C'est pourquoi je travaille notamment sur cette matière, parce que on a beau signer les accords de Paris ou vouloir en fait d'une relation au vivant qui est différente, le problème étant que nous n'avons plus la main sur cette emprise que l'économie notamment a sur le vivant. Et que pour un futur désirable, il va falloir retravailler sur notre rapport à l'économie, déjà la considérer, parce que beaucoup de gens la déconsidèrent, et habiter cette maison, parce que l'économie à l'origine, c'est la maison commune, c'est l'organisation de la maison. Et il faut retrouver ce rapport et que la maison commune nous appartienne réellement à tous et réavoir en fait un impact sur l'économie, c'est-à-dire participer aux décisions économiques. Qu'on nous inclut dans les décisions économiques et avoir une économie qui n'a plus une relation de domination avec le vivant, mais qui vit avec le vivant et qui s'inspire des modèles alternatifs, notamment que je représente à travers le mouvement Impact France. L'économie depuis 30 ans, donc c'était déjà le cas pendant les Trente Glorieuses, hein, où effectivement l'économie a arraisonné la nature. Donc les Trente Glorieuses, on le voit comme quelque chose de formidable quand on lit les livres d'histoire, mais pas du tout. C'était une période dans laquelle on a vraiment arraisonné le vivant. On a créé une société surproductiviste qui aujourd'hui arrive à la fin de son mandat, entre guillemets, parce que les ressources sont épuisables et qu'on ne peut plus aussi aliéner, comme on a fait jusqu'à maintenant, les ressources humaines. Donc c'est vraiment ce qui aujourd'hui est condamné par la famille économique que je représente. Et depuis 30 ans, surtout, la finance a pris une place trop importante en fait dans l'économie. Et cette quête en fait du retour sur investissement qui est cherchée par le secteur financier, malheureusement avec une économie qui est plus résiliente, qui est plus sociale ou plus écologique, on ne pourra pas retrouver ces mêmes niveaux de retour sur investissement financier. Donc effectivement, l'actionnariat est un point assez bloquant, notamment l'actionnariat coté, hein, des grands financiers, etc. Et également le milieu institutionnel et politique, parce que le droit, on a l'impression que le droit est neutre, mais alors que le droit n'est pas neutre du tout, le droit organise la société et organise fondamentalement l'économie. Et dans le droit, la fiscalité ou l'investissement, notamment public, ou les marchés publics, on n'oriente pas suffisamment le droit vers la promotion d'une économie durable, c'est-à-dire qu'il y a toujours une prime aux vices très forte. C'est-à-dire que ça coûte plus cher en fait d'être responsable, ça coûte plus cher d'être écologique et ça coûte plus cher d'être social, c'est-à-dire de vraiment défendre une justice sociale au sein de son entreprise. Et ça, il faut que ça change et que le droit change aussi. Au niveau de mes entreprises, Lita.co notamment, qui est une plateforme qui permet d'investir dans des entreprises justement inclusives, durables, etc., on essaie de proposer aux particuliers de devenir des actionnaires responsables de ces entreprises et de promouvoir une nouvelle forme d'économie qui est en circuit court, qui propose des emplois pérennes et durables, qui n'arraisonne pas la nature. Avec mon entreprise Rift, donc là qui est une entreprise qui travaille plutôt sur l'algorithmie du secteur financier, on essaye d'analyser surtout les produits d'épargne du quotidien. On est une genre de Yuka de la finance et avec Rift, les particuliers peuvent comprendre les impacts carbone ou sur la biodiversité de leur épargne et réallouer leur épargne vers des projets qui ont plus de durabilité parce que l'épargne étant extrêmement opaque, je pense que toutes les gens qui m'entendent là ne savent pas avec leur livret ou leur assurance vie ce qu'ils financent réellement. Et puis je travaille aussi au niveau institutionnel et au niveau politique avec le mouvement Impact France pour transformer justement la réglementation française et européenne pour qu'elle soit adaptée à l'émergence d'une économie qui est réellement soutenable, qui est une vraie maison commune et qui propose aussi des solutions pour le monde de demain. C'est vrai que cette loi avait pour objectif de sortir du paradigme Friedman, qui est que l'entreprise a pour unique objectif que de servir la rentabilité et apporter du profit à ses actionnaires, qui était quand même le paradigme économique. Donc c'est normal que l'entreprise, quand elle répond de ces lois-là, ne se soucie guère du vivant, ni des particuliers, ni des salariés qui travaillent au sein de son entreprise. Donc cette loi qui organise un nouveau statut d'entreprise, qui est l'entreprise à mission, avait pour objectif qu'il n'y ait plus que la raison d'être d'apporter de la rentabilité à ses actionnaires, mais aussi une autre raison d'être plus écologique, plus sociale, qui rentre dans le périmètre de l'entreprise et qui fasse que les dirigeants d'entreprise puissent poursuivre cette raison d'être sans être critiqués ou même subir des procédures pénales, hein, s'ils ne répondent pas à l'objectif unique de rentabilité des investisseurs. Donc ce nouveau statut d'entreprise à mission, qui est super, organise légalement la possibilité
pour une entreprise de. Mais on reste dans la niche. Je veux dire, on ne force pas les entreprises à toutes rentrer dans le paradigme de l'entreprise à mission. Ce qui est déjà un premier problème. Ce qui fait que ça reste anecdotique, le nombre d'entreprises à mission aujourd'hui. Il n'y en a pas plus de 100 en France. Et ce qui fait qu'on a même des problématiques, et on l'a vu récemment avec Danone, qui, une entreprise qui choisit le statut d'entreprise à mission, avec un dirigeant qui a une vraie vision à long terme pour l'entreprise, pour sa transformation, et finalement qui se fait rattraper par ses actionnaires activistes court-termistes, essentiellement américains, mais pas que, qui, d'ailleurs je cite, ont dit « Emmanuel Faber était plus occupé à sauver le monde ou à changer le monde » qui a apporté de la rentabilité à ses actionnaires, ce qui mène ensuite à son éjection récente. Donc malheureusement, si on ne rompt pas avec l'actionnariat court-termiste, on n'arrivera pas, même avec des évolutions réglementaires incitatives, à transformer l'économie. Et le problème de cette entreprise à mission, c'est qu'elle crée juste un cadre légal, mais qu'elle n'incite pas réellement l'entreprise à changer. Si on avait eu, notamment pour Emmanuel Faber, une fiscalité en France qui rendait son impact environnemental moins cher pour son entreprise, c'est-à-dire par exemple qui baissait les impôts de production si la production était durable, qui baissait les cotisations sociales si on proposait des emplois à long terme, etc. Peut-être que ça aurait été même plus intéressant pour les actionnaires de Danone de faire du durable et du social. Donc, il faut vraiment inciter, et pas juste inciter vraiment fiscalement et financièrement les entreprises à faire du durable et de l'écologique et du social. Et pas simplement créer des cadres spirituels, mais de raison d'être, etc., qui, en fait, ne répondent pas nécessairement toujours aux contraintes économiques des dirigeants face à ses actionnaires ou même parfois à ses consommateurs qui veulent des produits moins chers. Et c'est pareil pour le consommateur. Si on veut alléger la fiscalité pour l'entreprise quand elle fait du bien, il faut aussi alléger la fiscalité pour le consommateur quand il fait du bien et que les produits durables, etc., coûtent moins cher pour lui. Parce que je pense qu'on est encore dans une société qui est profondément néolibérale et qui a organisé le droit autour du droit à la concurrence, autour de la compétitivité, et qui pense que c'est cette compétitivité économique et financière qui rend durable l'économie. Mais je pense qu'on est vraiment dans un système de croyance. Là, on n'est plus dans la vérification. Parce que ce système néolibéral ou très financier crée des crises systémiques. Et ce n'est pas ce système qui nous a aidés, notamment pendant la crise du Covid, où en fait, on a été en face de nos contradictions parce qu'on défend notre économie, mais notre économie n'était même pas capable de nous fournir les besoins de première nécessité, c'est-à-dire porter un masque, ou être capable de produire rapidement des médicaments, ou être capable de produire des appareils respiratoires, etc. Avec une économie qui est saine et prospère, on aurait été capable de faire ça. Donc il faut mieux évaluer l'économie selon des critères qui sont profondément économiques et plus financiers. C'est vrai que d'un point de vue extérieur, on a l'impression que les PME sont plus à risque. Et même, il y a un martelage de nos institutions financières qui nous dit ça. Et alors que, finalement, on se rend compte que pendant des situations de crise comme celle-ci, notamment les PME très territoriales, qui ont des chaînes de valeur qui ne sont pas déconstruites aux quatre coins du globe, etc., ont été très résilientes. Et ont pu répondre à des besoins, notamment pressants, auxquels les grands groupes, avec des chaînes de valeur très déconstruites, qui ne savent même pas dans où est produit certains de leurs produits. Même on voit récemment Zara et Adidas, qui sont accusés sur la question de l'esclavagisme ouïghour, nous dire on ne sait même pas de quel fournisseur vous parlez. Enfin, donc c'est quand même assez fou. Alors que les PME assez locales et territoriales sont capables de maîtriser leur chaîne de valeur. Donc sont plus résilientes, en fait, finalement, à moyen terme. Donc, nous, finalement, on se développe par rapport à cette résilience-là. On a fait ce pari que les PME durables et sociales étaient plus résilientes et plus prospères, et aujourd'hui, on le voit. Oui, elles ne donnent pas à 15 ou 20% de rentabilité, mais autour de 4, 5, 6 parfois, ou moins quand on est sur l'ultra social, elles sont capables d'assurer un investissement et une épargne qui est résiliente et qui est long terme. Tout à fait. En fait, pour moi, je vois que la question de la destruction comme un risque et pas du tout comme une opportunité économique. Et je pense que l'économie doit se développer sur un terrain qui est un terrain sain. Et je le vois même au sein de mon entreprise. On n'a que des CDI, par exemple. On se développe de manière assez organique. On a fait le choix de ne pas, comme toutes les startups, lever
50 ou 100 millions et se développer sur tous les territoires, aller planter notre drapeau partout, parce qu'en fait, pour nous, ce n'est pas résilient. Et on voit que ça fonctionne et que c'est comme ça qu'on arrive à être aujourd'hui la seule entreprise dans notre écosystème à être pas rentable, mais à l'équilibre et arriver à soutenir une croissance organique. Et c'est beaucoup plus simple, plus pérenne. Nos salariés sont plus heureux et il y a moins de crise dans l'entreprise et on s'y plaît, quoi. Il y en a beaucoup. Moi, par exemple, au sein du mouvement Impact France, on représente quand même 7000 entreprises aujourd'hui. Il y en a de plus en plus. Mais je pense qu'il peut y avoir une velléité financière forte de certains entrepreneurs, ce qui est compréhensible à certains égards. Il y a aussi une croyance qui est que l'entreprise en hypercroissance, c'est celle-ci qui va survivre. Il y a aussi une volonté de ressembler, pour certains start-upers, aux entrepreneurs de la Silicon Valley et avoir un côté un peu impérialiste, limite, ou aussi être dans des secteurs extrêmement concurrentiels, ce qui est moins mon cas, parce que moi je suis sur une entreprise sociale, donc je réponds à une problématique sociale auxquelles personne ne répond. C'est pas pareil que quand on essaie de concurrencer Facebook ou Apple, où là effectivement on est en face d'acteurs qui est tellement capitalisé, qui a tellement la capacité d'innover, d'inonder un marché, etc., qu'on doit faire de même. Donc c'est pour ça que je crois aussi beaucoup au marché européen. En fait, il faut qu'on soit capable de créer un cadre pour que des entreprises plus résilientes, plus organiques, plus lentes parfois même, puissent se développer sans subir la concurrence de certains acteurs qui ne jouent pas dans la même cour, en fait. Donc, il faut que ce soit le cadre politique qui soit capable d'organiser ça, notamment pour les startups et même pour les entreprises dans tous les secteurs, en fait. Et même en rencontrant des grands dirigeants de PME ou de TI un peu partout en Europe, ils nous disent on subit la concurrence extérieure, et on a l'impression d'être pas du tout défendu par l'Europe. Alors que pourtant, la Chine ou les États-Unis, eux, ont une force de défense de leur entreprise très forte et les soutiennent. Et il faut que l'Europe soit capable aussi de faire ça, mais avec un modèle qui nous est propre et qu'on soit capable de défendre ce modèle-là. Tout à fait, on essaie de le faire. Donc on le fait beaucoup au niveau français, mais ensuite on porte ce plaidoyer-là au niveau de l'Europe et on essaie de le faire porter par d'autres institutions parce que pour nous, l'avenir, il est là. Après, c'est clair que le marché européen est plus complexe que les États-Unis, mais on croit encore beaucoup à cette capacité à ce marché européen en organisant notamment une fiscalité écologique au niveau européen, en organisant aussi une taxe carbone aux frontières, en développant, redéveloppant des usines qui soient capables de développer de nouveaux emplois verts, en faisant de la formation, en offrant des débouchés aussi aux entreprises qui vont devoir arrêter certaines activités. Donc oui, moi je crois au marché européen aujourd'hui, mais je crois aussi à une mondialisation saine. Donc je ne suis pas pour l'arrêt des échanges économiques. Je pense qu'il faut arrêter l'impérialisme économique. Donc il faut être capable de développer des relations saines avec notamment les pays du Sud ou même les États-Unis ou la Chine. Bon, là, on ne joue plus trop dans la même cour. Mais il faut être capable de proposer même aux autres pays un rapport économique sain. Et c'est comme ça qu'ils choisiront l'Europe. Parce que l'Europe n'est plus le centre du monde. Je veux dire, clairement, là, si l'Europe pense être encore le centre économique du monde, elle se trompe. Et parfois, quand on entend nos dirigeants, on a l'impression que c'est encore le cas. Alors que pas du tout. Donc il faut que l'Europe puisse se démarquer au niveau international parce qu'elle a une proposition économique qui donne envie. Voilà. Non, clairement pas. Clairement pas. Moi, si je me suis intéressée à tout ça, c'est parce que je suis partie de ce milieu. Donc, je me suis d'abord intéressée à la question sociale et écologique avant de faire mes études en économie. Donc, je me suis forcément posé la question de comment faire un lien entre les deux. Mais non, c'est déjà de une. On enseigne encore des théories néolibérales très anciennes. Vraiment, on parle encore de la main invisible, du libéralisme économique. Et même, c'est transposé à des algorithmes. Moi, j'ai fait aussi un master en finance de marché. Donc, je vois bien les algorithmes qu'on nous apprend qui dépendent de... Enfin, qui sont irréalistes dans le monde réel. Enfin, c'est complètement absurde. De deux, on nous apprend encore les lois Odokun, les choses en fait, qui font les liens très directs entre croissance et bien-être et emploi, alors qu'on le voit qu'aujourd'hui, il n'y a plus de lien entre croissance, bien-être, emploi. On a une éducation aussi qui est exclusivement composée d'économistes blancs et d'hommes.
Alors que plein de femmes ou plein d'économistes viennent d'autres régions du monde où il y a des femmes qui ont participé à l'histoire économique et qui sont complètement occultées des programmes. Et surtout, on a une vision encore très verticale et très élitiste de la question économique. Donc non, je pense que l'éducation à l'économie est mal faite, elle n'est pas accessible. Et malheureusement, elle fait que pour pouvoir se familiariser avec ces nouvelles thématiques, il faut se déconstruire. Donc, je pense que les écoles de commerce devraient davantage intégrer ces sujets-là, mais les intégrer de manière radicale et être capables vraiment de reconstruire même les bases de ce qu'elles ont appris et de les déconstruire. Ouais. J'aime beaucoup Hachem Bembe, c'est une de mes grandes inspirations et références sur ces sujets, sur le devenir africain du monde notamment, et le fait que, en fait, on est en train de vivre avec la crise écologique ce qu'on inflige, enfin, pas on, parce que moi d'ailleurs je suis de la première génération française, mais ce qu'on inflige, enfin, ce que l'Occident a infligé à l'Afrique pendant des siècles. Donc, effectivement, ça m'inspire beaucoup de voir. Et notamment, c'est ce qu'il dit, hein, comment les communautés, notamment en Afrique, sont développées et ont pu créer du vivable dans l'invivable. Donc ça, c'est assez intéressant et c'est assez inspirant pour ce que l'Occident, notamment, est en train de vivre. Aussi, moi, j'ai vraiment envie d'essayer de réfléchir demain à vraiment ces rapports économiques sains. Je trouve qu'aussi, il y a un impérialisme des acteurs du développement aujourd'hui auquel il faut faire attention parce qu'il faut faire émerger une économie locale. Et moi, je vois encore aujourd'hui sur des appels d'offres de certaines institutions que c'est remporté souvent par des grandes entreprises françaises ou des grosses ETI parce que c'est des appels d'offres tellement massifs avec tellement de millions, de centaines de millions en jeu qu'il n'y a que des grosses entreprises qui peuvent y répondre. Donc, il faut faire attention avec ça si on veut réellement faire émerger une économie locale et proposer un nouveau modèle qui fait que l'Afrique aura envie de travailler aussi avec la France et avec l'Europe, et pas juste d'arrêter de travailler avec l'Afrique, avec la France et l'Europe, quoi. Donc voilà ce qui m'inspire beaucoup, et aussi en matière de collectivité de femmes, etc. Je trouve que c'est assez inspirant, pas que dans les pays du Sud, mais aussi dans les pays de l'Orient. On a vu, en tout cas, les expérimentations de développement sont souvent faites par les femmes. Et même le microcrédit est fait aux femmes parce que les hommes ont tendance à pas bien l'utiliser. Donc on se rend compte que quand il y a des crises, on fait souvent beaucoup plus confiance aux femmes qu'aux hommes. Par contre, dans l'Occident, on fait pas vraiment beaucoup plus confiance aux femmes qu'aux hommes. On met en temps une femme, il y a d'ailleurs un phénomène très intéressant qui s'appelle la falaise de glace, qui montre que dans des situations de crise, on a souvent tendance à mettre une femme pour ensuite la tenir responsable des impacts directs. Et on l'a vu même au FMI quand il y a eu la crise avec DSK, Christine Lagarde, il y a plein de phénomènes qui l'ont prouvé. Il y a même petit Jen Thiam aussi qui a été responsable de cette falaise de glace parce qu'il y a aussi une vision intersectionnelle. Enfin, la femme est souvent l'image de la personnalité oppressée, mais on peut en prendre plein d'autres, qui fait que voilà, quand on est en crise, on tient souvent responsable les femmes ou les minorités, mais malheureusement, on ne les met pas en situation de leadership. Et ce serait intéressant de s'inspirer effectivement de ces modèles. Le leadership, c'est la réelle capacité à faire changer les choses. Donc pas faire une fausse parité au Parlement quand le Parlement a plus de pouvoir ou mettre des sous-secrétaires d'État pour dire qu'on a mis des femmes, quoi. Enfin, c'est réellement mettre les femmes dans des positions de leadership, ça veut dire de capacité à changer. Et moi, tant qu'on ne met pas une femme président, premier ministre ou ministre de l'économie et des finances, moi, je ne pense pas qu'on mette les femmes en leadership et surtout qu'on leur laisse la capacité de gouverner. Parce que par exemple, on a effectivement une femme comme Christine Lagarde qui est à la Banque centrale, mais elle est encore dans un milieu extrêmement oppressif, avec des chefs d'État qui sont des hommes. Enfin voilà, on se dit souvent, regardez, il y a eu des expérimentations, il y a eu Thatcher, il y a aujourd'hui Christine Lagarde, machin, mais c'est gentil. Mais quand on met des femmes entourées de 40 hommes dans des milieux qui ne peuvent pas se changer et dont l'organisation ne change pas, c'est pas possible de voir le leadership féminin en action. Par contre, on a des expérimentations beaucoup plus intéressantes, que ce soit en Nouvelle-Zélande ou ailleurs, et on a eu notamment un rapport du World Economic Forum qui est sorti récemment, qui a analysé la manière dont les femmes ont géré la crise par rapport aux hommes. Et on va voir où ça va nous mener, hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les femmes ont vraiment un leadership très différent du leadership masculin. Les hommes ont pris en quasi-totalité leurs décisions basées sur les impacts économiques et financiers, quand les femmes ont pris en extrême majorité leurs décisions sur la base des impacts sur la vie réelle.
Et ce qui fait, et les leaderships aussi ont été très différents. Les décisions économiques des hommes ont été très rapides, très peu concertées, assez verticales et avec beaucoup de changements et de manière, voilà, un peu compréhensible, peu expliqué, quand les leaderships féminins ont été beaucoup dans la concertation et dans l'implication des communautés qui étaient le plus touchées. Donc, je pense qu'il y a une place pour le leadership féminin demain, oui. Oui. Tout à fait. Alors déjà, il y a une entreprise qui s'appelle Tote, qui est assez intéressante, en fait, qui s'intéresse au transport par cargo et qui a imaginé une solution d'un voilier cargo qui émet qui a zéro émission. Et en tout cas, vu que le sujet de la mobilité et des transports est quand même un problème structurant pour l'atteinte d'un scénario 1,5 degré, je trouve que c'est, voilà, une initiative très intéressante. J'ai aussi une autre initiative qu'on finance en ce moment qui s'appelle RICOP, qui notamment s'oppose au problème du fait que les lignes de train qui sont un peu plus qui sont moins centralisées sur Paris ne sont plus desservies aujourd'hui, et qui permet en fait de créer une nouvelle coopérative qui va racheter les lignes de train qui ne sont plus desservies. Notamment là, la première c'est Lyon-Bordeaux, mais il va y en avoir d'autres pour que, effectivement, pour aller à Lyon, on n'ait plus besoin de passer par Paris, ce qui est quand même assez dingue d'un point de vue des émissions et même d'un point de vue même de la décentralisation. Donc ça, c'est assez intéressant. Et j'aime bien aussi Label Emmaüs, qui a été fondée par Maud Sarda, qui, elle, propose une alternative, pour le coup, aux solutions digitales, tech, un peu néfastes, comme Amazon ou parfois Le Bon Coin, qui est une entreprise du réseau Emmaüs et qui permet, en fait, de pouvoir avoir les services d'Amazon ou du Bon Coin, mais avec des personnes, notamment, en réinsertion dans le réseau Emmaüs et avec des circuits courts. Donc, c'est une entreprise qui est aussi assez intéressante et qui permet de substituer un usage qui est extrêmement polluant aujourd'hui. J'aime beaucoup le travail de plein d'hommes, hein, comme Éloi Laurent ou Gaëlle Giraud, ou même Achille Bamé, dont j'ai parlé juste avant. Je vous conseille tous de lire Brutalisme, qui est un vrai choc aussi, et qui nous permet vraiment de repenser cette relation Nord-Sud et cette relation coloniale qui nous revient en pleine figure. Mais j'aimerais aussi parler de deux femmes qui m'ont beaucoup inspirée, qui m'inspirent beaucoup aujourd'hui, que sont Esther Duflo, qui est la prix Nobel de l'économie et qui effectivement repense la pauvreté, donc d'ailleurs son ouvrage s'appelle comme ça, et qui nous permet de repenser la manière dont on mesure justement la pauvreté et qui remet au centre le problème de la mesure, notamment des politiques publiques ou même de développement. Et puis Angela Davis, hein, dont on ne cesse de parler, mais qui pour moi me semble hyper important parce qu'elle permet aussi beaucoup d'analyser les différentes oppressions et qu'on n'ait plus une vision manichéenne de la solution qu'il faut face à une oppression, mais qu'on puisse analyser les différents niveaux d'oppression pour être capable de vraiment proposer une économie qui, dans mon cas, hein, qui est inclusive. Elle travaille plutôt sur des questions sociales et des droits. Mais moi, ces thèses, j'essaie de les penser au niveau économique pour qu'on ait vraiment une économie qui soit profondément inclusive et pas que des femmes blanches ou pas que de personnes qui vivent dans cette zone du monde, etc. Parce que le problème, notamment climatique et social, il est mondial et on ne peut pas... Et c'est les politiques qui feront le discours de l'extrême souveraineté mentiront parce qu'on est obligé de penser ces solutions au niveau global.